cineva, camarad responsabil în sectorul transport. Mesdames, messieurs. C'est un point de presse, évidemment, qui nous permet aujourd'hui de transcender très certainement ce que nous faisons à l'interne. Et qui doit nous permettre effectivement de tirer au clair certaines réalités par rapport à la corporation. Quand je parle de corporation, les travailleurs d'une manière spécifique de l'AFTU, constitués en intersyndical et qui ont montré en tout cas tous ces dynamiques et également toutes leurs responsabilités par rapport à la conduite de leurs revendications, que le Sénégal a retenu à un moment donné deux jours au bout d'ailleurs, empêcher le va-et-vient, que c'est des millions et des millions qui ont volatigé, faute justement de nos patrons qui ne veulent pas évidemment se soumettre par rapport effectivement à certaines démarches juridiques que la loi nous confère. Il s'agit donc de continuer justement cette lancée. Pour dire quoi en fait? Pour dire tout simplement qu'il y a eu une émanation par rapport effectivement à l'accord. Et cet accord aujourd'hui nous permet de le verser au débat pour que les Sénégalais puissent savoir effectivement ce à quoi ces hommes et femmes sont en train de vivre dans leur entreprise. Et pour cela, dans le cadre de l'organisation évidemment, le camarade Cheikh Oumar Sow prendra la parole et très certainement vivra avec vous en français, n'est-ce pas, la déclaration de guerre. Et le camarade Sam, lui, va effectivement vous entretenir par rapport justement à la langue sénégalaise que nous avons tous connue, appris et nous pouvons parler, c'est l'Orof. Ceci dit, pour ce qui concerne le cadre, et cela, certains journalistes peuvent se poser des questions, comment il est là. Le syndicalisme aussi, c'est justement ce fort du mouvement syndical. Le mouvement syndical, c'est d'abord la solidarité. Le mouvement syndical, c'est le partage. Le mouvement syndical, effectivement, c'est aller ensemble quand il le faut. Et ma présence aujourd'hui, dans un cadre bien déterminé, formel, témoigne de deux choses. D'abord, le cadre unitaire des centrales syndicales qui naissait il y a quelques mois. Et ce cadre unitaire, effectivement, c'est notre camarade de Bahaoudang qui a né la coordinatrice. Ma modeste personne est le vice-coordinateur qui m'ont chargé effectivement de venir nous acquérir, de venir partager, mais également de soutenir. Et ce soutien aujourd'hui sont les raisons qui font effectivement ma présence. Le deuxième aspect, c'est quoi? Apporter notre solidarité, mais également porter le combat avec eux partout où besoin sera. En ces termes, effectivement, je vais donner la parole à M. Cheikh Oumar Sow, qui va décliner en français, si vous voulez, n'est-ce pas, le texte lui-même.